Et bien salut tout le monde, chapeau de paille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera Quoi de neuf sur Epic, épisode 80 si je dis pas de bêtises. Désolé de pas avoir sorti la vidéo le jour même, ce qui veut dire hier jeudi, mais j'ai pas trop eu le temps, donc elle sera pour aujourd'hui, vendredi à 17h. Du coup, pour les jeux gratuits d'hier, on va descendre. Ok. Le premier, il est gratuit jusqu'au 16 novembre, donc il faudra faire vite. Il va bientôt être disponible, celui-ci. Et il s'appelle Tiny Tina et la forteresse du dragon, une aventure merveilleuse. De base, il fait 10 euros. Les développeurs, c'est Gearbox Software et Stray Kite ou Kit Studios. Éditeur 2K. Et la date de sortie, 9 novembre. Ouais, je pense que la date de sortie, c'est quand le jeu est atterri sur le Epic Game. Du coup, écrabouiller des squelettes, tuer des dragons et affronter des golems géants dans Tiny Tina et la forteresse du dragon. Redécouvrez le jeu salué par la critique en 2013, bourré de fantaisie, d'humour et de montagnes de butin magique. Les genres, c'est jeu de rôle, action-aventure, aventure. Les caractéristiques, coopération, multijoueur, solo. Je sais pas s'il y a la manette qui est disponible ou pas. Non, ils le disent pas. Enfin bref, faites vite jusqu'au 16 les potes, on est le 12. 13, 14, 15, 16. Il reste 4 jours, du coup, voilà. Et pour le deuxième jeu... Ah non, ça sera un pack en fait. Le pack épisode épique saison 4 de Rogue Company. Le jeu gratuit Rogue Company, jeu de FPS, de tir. Celui-là se termine le 18. Entamez la saison 4 avec un pack gratuit exclusif pour Epic Games. Il débloque Switchblade et Scorch, deux expertes explosives qui font pleuvoir flammes et napalm. Le pack donne aussi la tenue Switchblade Infernal et 20 000 points de Battle Pass, tout gratuitement. Enfin bref, voilà. Voilà pour les jeux gratuits de l'Epic Game Store de cette semaine. Merci d'avoir suivi la vidéo. Désolé encore de ne pas avoir sorti la vidéo hier, mais j'avais pas le temps, donc voilà. Prochain goût, c'est Chapeau de Paille. Peace.